Du coup, plein préparatif d'une petite installation pour nettoyer les tuiles. Et puis après, bah, je vais vous montrer comment on fait un petit peu, même si c'est hyper simple, quoi. C'est juste enlever la mousse qu'il y avait sur les anciennes pour qu'elles soient un petit peu plus récupérables. Bon, les yeux que j'ai, c'est cata, quoi. On dirait que je suis en PLS, même si je le suis peut-être un petit peu actuellement. Donc là, l'installation simple, on va mettre une petite loupiote parce que pas tarder à faire nuit. D'ailleurs, la pièce là, je vous avais pas montré, mais le chef il a installé un petit Velux impeccable. Oh, les montgolfières, elles sont belles au fond là. Donc il a installé un petit Velux en fait pour la simple et bonne raison que les tuiles, on va les faire passer par là pour les mettre sur ce pan de toit. Parce qu'au vu du nombre de tuiles qu'il y avait dans la pièce et que c'était celles-ci qui étaient les meilleures pour mettre sur le pan ici, et bah le problème c'est que s'il n'y avait pas d'ouverture, on était obligé de passer par la trémie ici, les redescendre de deux étages, ensuite repasser dans la trémie à côté, les remonter là où on travaille en ce moment, c'est-à-dire sur notre petite dalle de terrasse, les remonter par le toit et les poser. Donc autant vous dire que la quête n'était pas envisageable et qu'on a préféré la jouer de la sorte. On a commencé à réfléchir un petit peu si on fait quelque chose dans cette pièce un de ces jours, mais c'est pas du tout notre priorité. On a essayé de faire au mieux pour placer le Velux, mais bon. Je vous ai pas montré précédemment, mais on a déjà fait tout le tas ici et tout le tas là-bas. En tout cas, en tuiles nettoyées. Donc il nous reste encore tout ça, tout le tas là-bas et tout ça. Donc en fait, juste enlever un petit peu la pousserotte. Et puis pareil pour la mousse là, avec le dos de la brosse. Ça va impeccable. Et dès qu'on en a fait une, on la pose là-bas et on continue. Bon bah voilà, la petite gouttière de posée. C'était pas dans un endroit très très facile à faire, vu qu'il y a le mur de la voisine juste à côté. Mais on s'en est sorti comme de braves hommes, c'était cool. Maintenant, bah, ce qu'on est en train de faire avec la maman, c'est-à-dire nettoyer les tuiles, ça va être utile pour dans pas tard. Donc là, on a mis la gouttière pour pouvoir tuiler tout ce pan-là jusqu'au-dessus. On va s'arrêter à la jonction du petit appentis là, et puis de l'autre pan là-bas. Ça, on va le faire un peu plus tard parce qu'on va pas mettre des tuiles de récup, on mettra des tuiles qu'on a rachetées. Et vu que normalement, ils annoncent de la pluie, pas demain, mais après-demain, ben, ça serait bien qu'on en nettoie pas mal encore aujourd'hui et qu'on couvre demain. Mais ça, c'est pas gagné encore. Hein.
Bon, bah c'est reparti pour notre passe-temps favori avec le nettoyage des petites tuilettes. Encore un après-midi bien bossé. Bon, vu le temps qu'on y passe, je voudrais bien faire un épisode full nettoyage de tuiles. Mais bon, après, vous allez me haïr, donc on va éviter. Donc là, ce qu'on va faire avec le chef, c'est qu'on va poser quelques tuiles de rive sur la terrasse. On a coulé la dalle. Donc là, c'est des mesures à prendre avant la pose des tuiles, mais il faut que finalement les tuiles elles n'arrivent pas trop près de la gouttière, parce que sinon l'eau elle a tendance à taper dedans puis à sortir. Donc il faut que le point où les tuiles sont le plus proche du bord extérieur de la gouttière, bah, ce soit finalement le point haut de la gouttière. Le point haut ici et le point bas là-bas. Parce que l'eau elle va s'écouler comme ça. Et j'entends par point haut le point le plus proche de notre toit, parce que finalement pour donner de la pente à la gouttière, et ben là-bas on l'écarte un petit peu plus du toit pour que l'eau bah, elle puisse s'écouler tranquillement le long de celle-ci. Donc là on a pris les deux mesures des deux rangs, en bas et au-dessus, avec le même nombre de tuiles pour voir si elles ont été posées avec le même écartement. Vu qu'elles vont se chevaucher par la suite, bah, si on n'est pas réglé en haut et en bas, ça ne pourra pas le faire. C'est pour ça qu'on fait les deux rangs comme ça. Et puis on s'assure de bien remettre les tuiles à la voisine, parce que mine de rien, elle nous paye même le café quand on passe la bêteau toute la journée. Puis maintenant, vu qu'on s'est réglé au niveau de nos tuiles haut et basse, ben on va pouvoir commencer à couvrir la pantie juste là. Ça va être la première étape de l'ensemble de notre pan.
Et pour l'instant, on couvre à la bâche le petit Velux. Margoulinerie.